médaille, une belle deuxième place. Voilà, ça fait plaisir. On continue dans les médailles. Dani Rodriguez, avec voilà. Sa spécialité, l'hirondelle inversée enchaînée, avec une croix renversée, vous allez voir, c'est merveilleux. Il y a des gros biscottos et il sait s'en servir. Il est très impressionnant, il enchaîne beaucoup de force. Voilà, une croix renversée. Voilà, une planche. Et attention, enchaîné, voilà. Voilà. Sa spécialité. Mais c'est magnifique. Remonter. Oh là là. Rien que de le voir, ça fatigue parce que il enchaîne toutes ses forces. Voilà. C'est l'un des rares gymnastes. Hein. C'est pour arriver au plus haut niveau mondial, de toute façon, il faut enchaîner ses forces. Le code de pointage le demande. Et voilà encore une hirondelle. Et là, c'est un sans faute. Hein. Il fait ça très, très, très bien. Dani Rodriguez. Sa sortie. Et là, on l'attend en double salto avant carpé. Ah là, très, très, très bien. Ah ben voilà, on voit, il est content. Ah, c'est super. En plus, cette sortie en double salto avant carpé est vraiment très, très difficile à stabiliser. Et vraiment, ça se joue aux anneaux, au millimètre près. Sur les sorties, c'est très important d'aller chercher... la réception pile, et là en l'occurrence c'est bien maîtrisé avec un bon mouvement, avec ses forces qu'il a bien tenues. Et c'est quand même une finale aux anneaux quand même très relevée. Tout à fait, tout à fait. Sur les élèves, c'est un problème. Voilà. Ça sent plus facile. Moi j'ai presque l'impression que c'est même plus dur parce qu'il reste encore plus longtemps quand c'est vrai. Donc voilà la belle deuxième médaille.